Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Des notaires africains veulent renforcer leurs capacités en vue de jouer leur partition dans le développement des pays africains. Ils sont réunis ici à Abidjan depuis ce matin à la faveur de la 9e édition du programme Université du Notariat. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a ouvert les travaux de la rencontre. 252 notaires venus de tout le continent participent aux travaux. Les populations, chefs traditionnels et coutumiers des villages du district d'Abidjan, ont pris d'assaut la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. Ils répondaient ainsi à l'appel du gouverneur Robert Bekré-Mambé, initiateur de la rencontre d'information de recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Objectif d'une telle rencontre, les mettre en mission dans leurs différentes localités pour la sensibilisation des populations, en vue bien sûr de les emmener à se faire recenser massivement. Le directeur général de l'Institut national de la statistique a expliqué, quant à lui, au chef traditionnel que cette opération de recensement, quatrième de ce genre, est apolitique et nécessaire pour la planification des actions de développement des régions du pays. La ministre de la Santé, le docteur Raymond Goudou Koffi, a lancé ce mardi une campagne de vaccination dans le cadre de la semaine africaine de vaccination. Le lancement de cette quatrième édition a eu lieu au quartier Biafra, c'est dans la commune de Trècheville. Cette semaine de vaccination qui se déroule du 22 au 27 avril prochain a pour cible les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Ils recevront au cœur de cette semaine des vaccins antitétaniques. En bref, à l'étranger, un député somalien a été tué par balle aujourd'hui près de son domicile à Mogadiscio. C'est le deuxième meurtre en 2 jours. Le premier avait été revendiqué par les terroristes Shebab. En 2012, ils avaient déjà promis de tuer un par un tous les députés de la nouvelle chambre somalienne. Au Soudan du Sud, des centaines de civils ont été massacrés la semaine dernière dans la ville de Bentiu. Des milliers d'autres se sont enfuis et ont trouvé refuge dans la base régionale des Nations Unies, qui est aujourd'hui totalement débordée. Depuis le massacre, le nombre de réfugiés est passé de 8 000 à 20 000, ce qui pose de gros problèmes d'eau et de conditions sanitaires. Et il y a maintenant près de 80 000 réfugiés sur les bases de l'ONU à travers le Soudan du Sud. La France et l'Arabie saoudite pourraient signer une lettre d'intention dans le domaine naval. En outre, Paris a décidé d'évoquer à nouveau la proposition de Thales pour le programme saoudien Mark III, des sujets abordés à la faveur de la visite de travail du président français François Hollande en Arabie saoudite. Le vice-président américain Joe Biden devrait rencontrer ce mardi les nouvelles autorités de Kiev au lendemain d'appels réciproques de Washington et Moscou à faire appliquer l'accord de Genève censé mettre fin à la crise dans l'est de l'Ukraine, en proie à une insurrection séparatiste. Le ton serait en train de monter entre l'Ukraine et les États-Unis. On en reparle dans la grande édition. Pour terminer le tour du monde, en bref, une image avec notamment ce regain de violence en Irak. Reportage. Série d'attaques lundi en Irak. Ici, à Sadr City, le quartier chiite de Bagdad, deux voitures piégées ont explosé dans une boutique. Et des dizaines de blessés. Au total, au moins 26 personnes ont été tuées à travers le pays. La montée de violence précède les élections législatives du 30 avril, les premières depuis le retrait des troupes américaines en 2011. Le département d'État américain affirme avoir des indications évoquant l'utilisation d'un produit chimique toxique, probablement du chlore, en Syrie. Selon Washington, cela s'est passé ce mois-ci à Kafar Zita, dans la province de Hama, dominée par l'opposition. Cette vidéo amateur postée mardi sur les réseaux sociaux est présentée comme ayant été tournée dans cette ville. Rebelles et gouvernements se tiennent mutuellement responsables de ces attaques. Les accusations américaines surviennent au moment où les experts essaient d'évacuer l'arsenal chimique du régime syrien. Quelques 150 parlementaires japonais se sont rendus mardi au sanctuaire controversé Yasukuni. Le mémorial honore des morts pour la patrie, dont des criminels de guerre condamnés après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. De quoi courroucer la Chine et la Corée du Sud, qui le considèrent comme un symbole du militarisme passé de leurs voisins. Le Mexique a dit adieu lundi à son fils adoptif préféré, l'écrivain colombien Gabriel García Márquez. Un hommage national avec beaucoup de roses et la musique qu'il adorait.
Le président mexicain assistait à la cérémonie en compagnie de son homologue colombien et des membres de la famille de García Márquez. Les habitants de sa ville natale d'Aracataca, en Colombie, ont également rendu hommage à leur héros local. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h, c'est un peu moins de 2h. À tout à l'heure.